Je la revois encore. Le mal ne passera pas. Continue ainsi. Les ennemis semblent ne pas pouvoir te résister. Lorsque la marine de la reine fut créée, elle s'attela à débarrasser les sept mers des pirates. Le succès fut retentissant, jusqu'à ce que les corsaires déclarent que les mers étaient en fait au nombre de 8. La marine s'empressa de sécuriser la 8e, mais apprit alors par les pirates qu'il existait en réalité 12 mers. Ainsi naquit le cercle sans fin des démentis quant au nombre exact de flots que ce monde recèle. À ce jour, certains vont jusqu'à affirmer qu'il en existerait plusieurs milliers, le compte augmentant généralement proportionnellement à la quantité de soda éclusée. Tu n'as pas le fantôme d'une chance. Ça sonne pas terrible. Qu'est-ce qu'il nous veut? Il dit qu'il a perdu son œil. Pas très loin d'ici. Hé, hey, vous là! Aidez-moi à faire avancer la science. Avez-vous remarqué cette imposante chose dans le ciel? Ah oui, le soleil, le souverain céleste. Celui-là même. Je cherche à triompher de lui. J'ai mis au point une crème spéciale pour combattre ses effets néfastes sur la peau, mais j'ai besoin du jus d'un cactus spécifique. Rendez-vous dans la vallée du cactus piquant et rapportez-moi. Prenez garde surtout. L'orbe céleste vous incite à porter des chemisettes à fleurs et des sandales. Mais ce n'est qu'une ruse pour vous brûler plus facilement. Viens donc te joindre aux festivités.
Un coup terrible. Comme si on en doutait. Que la magie opère. L'aventure t'attend. Mon sort est prêt. La sacoche sans fond doit être là-dedans. Voilà, c'est elle! La sacoche sans fond! Ramène-la-moi! Mais qu'est-ce donc que cela? C'est une feuille de poésie, bébé. Si toi, à tout hasard, tu souhaites devenir poète et vivre de ton art, tu as perdu la tête. Il vous plaît le poème? Vous pourrez écouter la suite à la taverne de Sabot Ardent. J'ai ma conscience pour moi, démon. Ah.
Une potion de soin. C'est tout ce que tu sais faire. Je me relève par la force de mon courage. Pas un pas de plus. Depuis l'au-delà. Un morceau de sanctuaire attire son regard. Il y a un morceau de sanctuaire dans ce donjon. Justice est rendue. Impossible!
Ce monde n'est pas pour toi. Malgré ta petite taille, tu es admirablement létal. Tu as été jugé et condamné. Thank you.
Regarde, un morceau de sanctuaire. Tout y sort comme ça. Est-ce qu'une petite Tina l'aurait mis là? Ok, il dit qu'il a enlevé son œil pour faire le guet pendant qu'il était au petit coin et que quand il est sorti, l'œil avait disparu. Il dit que sa vision empire à mesure qu'il s'en éloigne. La dernière chose qu'il a vue, c'est un endroit du coin. Les ténèbres fuient devant la lumière. Peut-être. J'espère que tu étais en paix avec toi-même.
le mal ne passera pas. Continue ainsi. Les ennemis semblent ne pas pouvoir te résister. Ça, par exemple, oh, quelle joie de retrouver la vue! Vous avez fait de l'excellent travail! Allez jeter un œil à ma salle secrète pour votre récompense. Il y a un morceau de sanctuaire dans les parages, mais où se cache-t-il? On a trouvé un morceau de sanctuaire! Le foufou te filerait certainement un tas d'orbes lunaires si tu reconstituais son sanctuaire. Earl le foufou, le dieu des orbes lunaires, va faire en sorte que t'aies toujours des orbes lunaires qui font très 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 plaisir. Sans sécher d'ici. Là, je prends. Allez, on va fondre tout ça. Si vous insistez.
une affaire qui roule. Ok, j'accepte. Vous partez déjà ? Repars tout de suite, et tu vivras peut-être. J'ai ma conscience pour moi, c'est bon. Au vent, pas loin. Dans un bar interlope, je reçus bon accueil, lorsqu'un charmant cyclope m'adressa un clin d'œil. Ça t'ennuie de regarder par ici ? Sauf si tu as déjà affaire, ce que je comprendrais parfaitement. Merci de bien vouloir t'arrêter. Moi, c'est Sully, et je suis coincé dans ce mur. Franchement, j'ai rien vu venir. Comment as-tu fait pour bloquer l'écoulement ? Je suis un féru d'histoire, et mes recherches m'ont conduit à ces ruines, et dans lesquelles serait caché l'ancien diadème de Cornée. Mais l'eau a tout englouti, et je suis resté coincé alors que j'essayais de m'enfuir. Ne crains rien, je vais te sortir de ce mur, même si je n'arriverai pas à le démolir en tapant dessus. J'ai eu pas mal de temps pour réfléchir ici, et voici ma conclusion. Et si la pression de l'eau augmente derrière moi, alors je devrais être éjecté du mur. Essaie les interrupteurs. Et il y a des choses antipathiques dans les parages. Alors, si tu pouvais te remuer un peu... Enfin,
sans vouloir te commander. Merci, tu as réussi. Oh, je sens que ça commence à... Oh non. Ah, on dirait que tes amis sont arrivés juste à temps pour te sauver. Non, va-t'en, vite. Je... Oh, salut les gars. Ça fait plaisir de vous voir. Oh, plus... Au secours. Voilà pour toi. Merci la compagnie. J'ai failli claboter. Mais alors que j'étais sur le point de canner, j'ai aperçu un deuxième interrupteur. Je crois bien que ça devrait faire l'affaire. Parle-moi un peu de ces affreux. Ceux que je viens d'oxyre. Ah, les autres cyclopes me cherchent des noises. Tout ça parce qu'ils n'aiment pas vraiment l'archéologie. Et qu'ils préfèrent tuer des gens. Je suis différent. Il n'y a rien que je méprise autant qu'un combat déséquilibré. T'as un grand cœur, toi, tu sais. Parfait. Bon, allez, tire un petit coup sur le vieux Sully. Ah, ben voilà, c'est bien mieux, pas de doute. Formidable. J'ai bien l'impression qu'il te manque un bon morceau de toi. Ah, ben voilà. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui clochait. Le reste de mon corps a dû rester coincé dans les ruines. On devrait pouvoir le retrouver, n'est-ce pas? Hey, mais c'est mon corps, ça! Chic, chic. J'ai enfin l'impression d'être moi-même. Enfin, bref, ça change rien au fait que je suis coincé ici. J'aurais dû un peu plus réfléchir, je crois. Je veux pas te déranger plus longtemps. Tu m'as beaucoup aidé, déjà. Tu peux juste me laisser crever ici, y a pas de problème. Non, 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 je vais te sauver. Sans sas ? Je bouge pas d'ici. Sacré bon sang de bois, ça marche! Même après tout ce temps! Oh, on n'en fait plus des comme ça, pas vrai? Allez, reviens par ici, camarade! Allez, remue-toi et suis-moi! On peut encore trouver le diadème de Cornée! Des artefacts rares? Je suis tout oui. Eh bien, historiquement, le diadème de Cornée appartient au souverain véritable des Cyclopes. J'imagine que c'est également un objet en or massif, avec plein de bijoux hors de prix, mais ça... ça ne m'intéresse pas. Oh, flûte alors, c'est inondé! On va devoir arrêter cet écoulement. Ou alors, on laisse tomber et on fait demi-tour. Les deux sont possibles. C'est quand même bien chouette d'avoir un peu de compagnie. Sans sas! On a réussi! Je ne veux pas paraître déplacé, mais tu devrais peut-être apprendre à nager. Tu ne crois pas? C'est rudement utile comme compétence. J'ai investi tous mes points de compétence dans la défense des plus faibles et dans le macramé, ce qui pour le moment me sert assez peu. Ah oui, je comprends. Bon, à présent, tu peux descendre jusqu'ici. Je vais rester ici, hein, parce que j'ai les pétoches, pour tout te dire. Eh bien, mes aïeux. Ah, c'est vraiment flippant. Je serais mort plusieurs fois sans toi. Heureusement qu'on s'est croisés aujourd'hui, hein. D'orgue de mes années d'études.
Tout ça se trouve derrière ces portes. Je te sors un sort! Diadème, décris-le-moi avec précision. Est-ce qu'il est lourd? C'est comment au toucher? Ça inonde! Oh non. Fuis! Je suis accablé. Ça s'est pas joué à grand-chose, pas vrai? Allez, on met les bouts, pour que je puisse voir le diadème. Un jour, mais pas aujourd'hui. Sans ça, on a réussi. Jamais je n'aurais cru qu'on pourrait. Oh non. Honnêteté, c'est moi qui t'ai visé au départ. Tu crois que c'était le dernier? Je suis libre d'explorer les ruines tout mon sou à présent. Quelle aubaine! Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Et toi aussi d'ailleurs. Tiens, le diadème. Essaie-le. Qui? Moi? Que je porte ça? Mais c'est destiné au véritable chef des Cyclopes. Et moi, je suis juste... Sully. Mais justement, tu as de l'allant, tu es authentique et gentil. Tu es bien mieux que les autres Cyclopes. Alors forme ta propre bande de Cyclopotes. Tu sais quoi? Hier encore, je n'avais jamais imaginé une chose pareille, mais... Tu m'as transmis tellement de confiance en moi que je dois dire que... Je crois bien que je vais le faire. Merci, camarade. Je n'oublierai jamais tes paroles. Désolé, je crois que j'ai une poussière dans l'œil. Le mal ne passera pas. Bouillon de magie!
je peux relancer des sorts. Et maintenant, c'est mon tour.